Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui sur Dirt Rally 2.0. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en réalité virtuelle. Petite parenthèse, je remercie notre ami Enjailleur qui m'a informé sur ma dernière vidéo. D'ailleurs, petite parenthèse supplémentaire, un gros big up à vous pour tous vos retours sur cette vidéo. Triple screen, vous avez été nombreux à l'avoir apprécié. Merci du soutien, ça fait plaisir. Et donc, notre ami Enjailleur qui m'avait informé que Dirt Rally 2.0 nous a permis maintenant de pouvoir disposer de la réalité virtuelle. En toute transparence, j'avais programmé une vidéo pour demain sur Dirt Rally. J'avais poursuivi un petit peu le mode carrière où j'indiquais justement que c'est dommage que la VR n'est toujours pas intégrée. Du coup, la vidéo, je l'ai supprimée. Elle avait été planifiée, mais je l'ai supprimée. Bref, nous sommes donc sur Dirt Rally pour pouvoir découvrir ensemble cette réalité virtuelle. J'ai un peu bricolé puisque pour ceux qui ont le HTC Vive, il faut savoir que là, il n'y a pas de nécessité de pouvoir faire des combines supplémentaires. J'ai lancé le jeu, il se met en mode cinéma. J'ai désactivé la case mode cinéma lorsqu'on utilise SteamVR et puis là, directement, on a la VR dans le casque. Par contre, la problématique, c'est que sur la retransmission de notre écran, la vue est en fisheye, elle est complètement étirée. Du coup, je passe par l'effet miroir pardon, de SteamVR pour pouvoir capturer. J'espère que ça va rendre quelque chose de qualitatif sur le rendu final de la vidéo. Toujours est-il, on va pouvoir découvrir ensemble cette réalité virtuelle. J'ai pas encore réellement testé ce que ça vaut, est-ce que c'est fluide, est-ce que c'est... On va juste découvrir, on va se faire peut-être... J'espère juste pas toucher des boutons d'OBS que j'ai peut-être pas assigné ou que ça me coupe le live, enfin la diffusion, l'enregistrement. On va se faire... contre la montre, écoute, on va se faire ça. Il y a combien de kilomètres? Bon, là, il y a déjà 16 km. Je pense qu'on va peut-être se contenter de ce terrain-là. Bah, on va se prendre la 205. Tiens. Je crois que c'est une 205. Hein. J'ai vu la calandre. Franchement, j'ai pas de recul sur le jeu. J'ai fait. Malheureusement, j'ai avancé sur deux épisodes du mode carrière sur la vidéo que j'avais programmée pour demain. Mais là, il n'y a pas d'intérêt puisque je pense que si j'en parle, vu la date à laquelle elle sera publiée. Il y en a, ils vont me dire dans les commentaires, bah non, c'est sorti, qu'est-ce que tu racontes? Tu dis de la merde, donc autant s'abstenir. Ah oui, c'est bien de 205. Ok, donc là, j'ai mis le jeu en ultra, en élevé, je crois. Ok, ce que j'allais dire, j'ai eu peur. Ouais. Le jeu est en élevé, on n'a pas la synchro verticale disponible dans les réglages du jeu. J'ai un petit truc noir devant les yeux, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas trop gênant, mais en tout cas, il est là. Je sais pas si vous allez le voir. Alors, c'est pas mal détaillé quand même. C'est fluide. J'ai pas de lag. Ça, c'est bon maintenant qu'on peut pouvoir maintenant disposer de la navigation. La navigation dans l'habitacle. Il regarde sa montre ou quoi? Il est impatient, le monsieur. Bon, j'espère que j'arrive. Assigner les touches. 5, 4, 3, oula, 2, 1, go. Gauche à fond, 50 mètres à droite, 6 ma rotation n'est pas la bonne. De gauche, 6, 50 mètres, ciel à fond. Ah ouais, c'est tellement bon. Putain, c'est fluide. Là, tu vas me dire avec la 2080 Ti. 80 mètres. Si on galérait. Hop. 50 mètres. Gauche, ouais, la rotation n'est vraiment pas la bonne. Alors, t'as l'air. Je vais juste baisser la rotation de mon volant. Ok, on est bueno. Ça paraît un peu plus cohérent. 120 mètres. Faudrait que je teste droite, en ultra. 5 longs et 3 sur boss. Dans droite 6, 80 mètres. Alors, je découvre la bagnole, je découvre le terrain, je découvre la VR. Dans gauche 6, ferme après croisement et 30 mètres. Droite 4 et 3 sur ciel. Backer de gauche 5, ouvre long. Dans gauche 6 et 30 mètres. Ouais, il y a des petits frises très subtils. Long, ferme sur ciel. Temps de charger les. 50 mètres. Backer de gauche 4. Dans droite 6. Putain, c'est tellement bon, les dans gars. 6 long, 30 mètres. Ah, le petit sourire qui va bien. Le petit smile, c'est clairement ciel, le plaisir. Enfin, extra long. Pur plaisir. Dans soulage gauche 6 long sur boss. Putain, mais heureusement, je l'ai laissé en PLS là. Boss. Merde, je crois que c'est à droite dans ici. Gauche 4 long, dans à droite 1, ouvre long asphalte. Backhand entre ballot, reste à droite sur 30 mètres, à droite 1. À droite 1. Ouvre sur ciel, retour terre. 50 mètres, gauche 5, dans droite à fond. J'étais même pas ciel. Sûr que c'était ici, ça avait l'air tellement étroit. Ouvre long et ferme.
ferme sur jump. Dans gauche, 5 sur ciel, ferme très long. Dans droite, 6, 50 mètres. Putain, quoi, viens pas me dire que la VR, c'est pas la vie, hein. Droite, 4, extra. Ah, l'immersion, elle est ouf. Ouvre à fond sur ciel. Dans gauche, 6. Ce qui est bien, c'est qu'on a la sensation de vitesse, là, dans l'habitacle. Après, c'est très étroit, on a tout à côté dans de nous, donc... 6. Dans, attention, forcément, gauche, ça change par rapport. Jump, 50 mètres. Gauche, 6, ah, la 5 vitesses, le bordel. Sur boss, 50 mètres. Droite 4, long. Dans soulage, gauche 6 sur ciel et 30 mètres. À gauche 1, pas corde. 30 mètres, gauche 6. Hop, non, j'étais bien là, sérieux. Désolé, bonhomme. Droite 3, long. Ah ouais, je sais pas s'ils ont corrigé le compteur là de la golf. Je me souviens, il y avait un défaut l'autre fois. 50 mètres. Serré, bon, j'ai encore un peu de mal à la mettre en travers, c'est pas comme le drift, hein, forcément. Sur croisement, 30 mètres. Dans gauche 3, long, ferme. Oh. Droite à fond sur ciel, extra, extra long. Extra, extra long, vas-y. Droite 3, long, ouvre. 80 mètres. Gauche 5 sur ciel, extra. Ça boit toi, chez tout mon pote. Dans droite 4 long. Et je pense qu'il y a un jour il va falloir que je passe un casque au-dessus parce que là j'avoue que la végétation elle est pas mal pixelisée. Ciel dans gauche 5. Juste au niveau des arbres, mais sinon sur la piste tout ça on arrive à avoir quelque chose de lisse. Gauche 6 extra extra long. Très bien. 80 mètres. Putain, je suis beaucoup plus à l'aise avec la VR. Je connais même pas le circuit ni la bagnole. Tout se fait au feeling. Soulage 50 mètres caché à droite. Ouvre extra long sur ciel. 160 mètres. Ah, il m'a surpris le virage. Sur bosse. Gauche 4 extra. Très douce la bagnole. Bon, là vous voyez mon corps de lâche en dessous là. Et à gauche 5 ouvre. 80 mètres. Gauche 4 au ballot, pas corde. Et 30 mètres caché. À gauche 2 au ballot, pavé. Dans la corde, droite 3, gauche 3. Et droite 1 ferme. Ah ouais, frère. Pas corde, droite 3, gauche 3. On était pas prêt là. Ferme, pavé. 30 mètres droite 1, pas corde, gauche 2. Ah ouais, là, il y a trop d'infos, mon pote. 40 mètres, à gauche 2, autour du ballot. Asphalte, reste à gauche, 160 mètres. Il parle beaucoup, on dirait une gonzesse. Caché, à droite 3, pas corde, long, ferme 2. Wow. 30 mètres, gauche à fond, long, 30 mètres. Franchement, je fais au feeling, des fois, je regarde même pas les infos. Gauche 6, long, 50 mètres, 50 mètres, gauche 6, long, 50 mètres... Droite 6, long, ouvre, jump. Ah, la boîte de vitesse, on va pas ajuster. Hein. Et droite 6 à fond, ouvre sur jump. Dans gauche, la sensation 6, de vitesse, c'est ouf. Sur ciel. Dans droite 6 sur ciel. Pour ciel milieu et droite à fond, 100 mètres. Reste à gauche sur jump, 50 mètres, droite 6. C'est tellement jouissif. Ciel, 50 mètres, droite 5. On est au taquet là. Fond 5e. Reste à gauche sur ciel, 30 mètres. Droite 5 long. Ouvre sur ciel, dans gauche 6 long. Attention, ferme 3 sur ciel. Regarde. Dans boss jump, dans droite 4. Je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir. Ciel jump milieu. 80 mètres. Droite 6 sur ciel. Boss. Gauche 6 sur ciel. Que si on est dans le vert malgré la fail qu'on a eu tout à l'heure. Droite 4 long, 120 mètres. Gauche à fond sur ciel. Dans droite à fond sur ciel. Dans gauche 4. Ouvre sur ciel. Dans gauche 6 long. Ferme sur ciel. Dans droite 4 long. Dans gauche 6 sur ciel. La quatrième, elle a bloqué. Mètres. Gauche à fond sur jump, extra, extra long. Après, la voiture elle nous met quand même en confiance. Hein. Sur 180 mètres. Rien à voir avec la Lancia là de. Merdasse là. Droite 6. 50 mètres, ciel à fond et gauche 6 long sur ciel.
Dans droite 6, ouvre sur ciel. Dans gauche 6, long sur ciel. 100 mètres, à droite 4. Dans gauche 5, dans droite 2, ferme, asphalte. Ok, je préférais ralentir parce que je savais pas où j'allais m'embarquer. Dans gauche 5, attention 100 mètres, chicane, entrée droite 1. Droite 1. Gauche 1, 30 mètres. Ah ouais! Merde, je croyais que c'était à droite là. À gauche 3 long, ouvre 6, extra long, bosse. Putain, c'est ouf que ce soit fluide alors que c'est hyper garni en décor. Dans droite 6, ferme 5, retour terre, 60 mètres. Gauche 4, ferme sur ciel, passe croisement. C'est physique, il peut... 30 mètres. C'est long le bordel là. 50 mètres, ciel et droite 5, long sur ciel. Dans droite 6, gauche 6, long. Attention 30 mètres, droite 6, ferme sur jump. 30 mètres, droite à fond sur long ciel. Franchement la 4ème, elle me pose un problème, là, c'est même pas le jeu là, c'est... C'est moi qui ai du mal à passer la 4ème sur le 5, le cran là du THU. Et gauche 4 ouvre. Soulage 80 mètres, à droite 3 sur ciel. 80 mètres. Gauche 6 ouvre. 80 mètres. Oh putain, t'as une chance là mon pote. Gauche 4, ferme 3. Dans droite 6, long sur ciel. Attention, soulage. Ça valait le coup d'attendre la VR, moi je vous jure. Dans gauche 2, ferme. Dans droite 4, long sur ciel. Et heureusement que le mec il a pensé à mettre du sable ici. Hein. Jump milieu. On a pris hyper large. 120 mètres. À droite 3, caché, ferme. Ouvre sur asphalte. Tu l'as vu l'arbre ou pas? Gauche 6 sur ciel long. Elle est vachement chaud là. 80 mètres, droite 5 plonge. Et arrivé dans gauche 6 et stop. Bravo. Ah ouais, progression succès, on a déverrouillé un bordel en plus. Bon, on a fait ça. Record personnel. Bah c'est le premier du coup. 9.24.0. Avec la petite 205 GTI. Bon, ça a capturé, enregistrement nice. Les gars, c'était une dinguerie. Clairement une dinguerie. La VR est quand même ouf. C'est hyper fluide. Et pour être honnête, j'appréhendais au départ. Je me suis dit, bon, ils nous ont tellement parlé de la VR qu'ils vont peut-être nous sortir un truc bancal. Non, pas du tout. Dès qu'on lance le jeu, pour la première fois, Revive s'est déjà mis à jour automatiquement. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Et il n'y a pas d'extension à mettre sur les options du jeu via Steam. Donc ça, c'est aussi une très bonne chose. Tout s'est fait automatiquement. Et après, on a juste à décocher la case, ce qui paraît naturel. Pour les possesseurs d'un casque VR, de désactiver la fonction cinéma. C'est-à-dire d'avoir un écran dans l'écran, en mode cinéma. Comme si vous étiez assis au cinéma, vous avez un écran. Et c'est là où j'ai la VR. Donc du coup, l'effet de profondeur s'est fait automatiquement. Et on est directement à la place du pilote. Donc ça, c'est vraiment top. Clairement, première expérience sur Dirt Rally 2.0, hyper concluante. On a vu un bête de terrain, une bête de bagnole, un terrain très coloré, hyper fluide dans le casque. Après, vous connaissez ma configuration, ça m'aurait pas étonné. Mais nous étions sur des paramètres en élevé. On testera en ultra pour la prochaine fois, mais c'est déjà un point hyper positif pour le jeu qui me permettra, moi, à long terme, de pouvoir mettre davantage la main dessus. Comme vous le savez, sur Dirt Rally, c'était déjà le cas, même si c'était un peu fastidieux pour intégrer la VR. Là, ce n'est pas le cas, donc c'est déjà une très bonne chose. Premier point, première expérience très positive. N'hésitez pas à partager votre expérience de jeu pour ceux qui ont déjà pu tester Dirt Rally 2.0 dans l'espace commentaire. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Salut tout le monde.